Moi, je voudrais qu'on soit clair sur une chose. Clairement, nous sommes évidemment d'accord pour maintenir à minima les services publics auprès qui sont proposés à nos concitoyens. Pour ce qui est de l'investissement, nous sommes également en faveur d'un investissement ambitieux. En revanche, c'est clair que sur la façon d'y parvenir, clairement, nous divergeons. Nous divergeons puisque vous, votre posture, c'est la vôtre et en fait, on ne s'aperçoit pas qu'aujourd'hui, elle consiste en fait à aller prendre dans la poche des Bordelais. Et quand je dis que ce n'est pas simplement aujourd'hui, aujourd'hui, on le voit au travers du budget puisque vous, vous souhaitez augmenter les impôts. Les Bordelais, on leur a déjà fait les poches, vous leur avez déjà fait les poches depuis un certain temps, puisque ce qu'on oublie trop souvent de dire, c'est que depuis déjà plusieurs mois, voire maintenant plus de 2 ans, vous leur avez fait les poches lors de l'augmentation des tarifs de la cantine, de la crèche, et il y a un point sur lequel nous sommes d'accord, Madame Bichet, c'est que effectivement, il n'y a pas d'argent magique. Et je pense que les Bordelais seront d'accord avec vous, il n'y a pas non plus d'argent magique pour eux. Entre l'inflation, les coups de massue fiscaux que vous leur assénez et que vous choisissez aujourd'hui de continuer de leur asséner, c'est clair qu'ils seront d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'argent magique et bientôt il n'y aura grâce à vous plus d'argent du tout. Donc ça c'est un point que je voulais clarifier. Premièrement, dans ce que nous vous avons proposé, le contre-budget que nous avons proposé de faire des économies. En période de difficulté, il s'agit de faire des économies, d'autant que nous avons vu qu'il y avait un certain nombre de postes de dépenses qui le permettaient. Je ne reviendrai pas dessus, il figure au chapitre 11. Maric Fetou en a listé un certain nombre tout à l'heure pour les plus significatifs et pour lesquels on peut certainement se passer d'un certain nombre de faits et d'impressions de documents papier qui viennent polluer notre planète. Et ça m'étonne que, vu votre conviction, vous continuez sur ce chemin-là, mais vous n'avez peut-être pas fini de nous étonner encore. Donc ça, c'est un point, réduction des dépenses de fonctionnement, que nous avons chiffré à 7,5 millions d'euros. Et également, on peut arriver à la proposition que nous vous avons faite en évitant aussi ou en se penchant sur les dépenses de fonctionnement que vous avez inscrites et qui sont sans fondement. Elles sont sans fondement, je fais référence aux frais de personnel pour lesquels vous prévoyez une augmentation de 2,2 millions d'euros. Tout à l'heure, d'ailleurs, Thomas Cazenave l'a évoqué, ça ne s'appuie sur aucune décision juridique et aujourd'hui, il n'y a simplement aucun fondement pour pouvoir l'inscrire. Donc, on peut s'interroger sur la sincérité de cette charge. Par ailleurs, la non-inscription dans votre budget d'une recette, cette fois-ci de fonctionnement, qui, elle, pour le coup, est certaine, je fais référence au filet de sécurité, ce dispositif qui a été mis en place par l'État pour permettre d'absorber la charge des prix de l'énergie. Pourtant, la ville de Bordeaux y est éligible. Vous nous avez d'ailleurs, après la commission des finances, à notre demande, fourni un document qui montre que on peut y prétendre à hauteur de 1,2 à 1,5 million d'euros. Et vous voyez, dans un souci prudentiel en général, nous l'avons inscrit, nous, à 1 million d'euros. Donc, en synthèse, et ce sera l'objet des 2 amendements que je regroupe, une plus juste évaluation des dépenses de frais de personnel, une plus juste évaluation des recettes que représente le filet de sécurité, permettrait de dégager 3,2 millions d'économies supplémentaires qui contribueraient, eux aussi, à éviter le recours au levier fiscal. Donc c'est l'objet de l'amendement 11, pour lequel nous vous proposons donc de diminuer de 2,2 millions d'euros les dépenses de frais de personnel, et également l'amendement 14, qui lui vous propose d'inscrire 1 million de recettes supplémentaires. Voilà, je vous remercie.